Le ministre de l'Agriculture de Madagascar a déclaré être attristé par le décès du père du riz hybride en Chine, Yuan Longping. Le ministre a indiqué que grâce aux efforts de Yuan, les agriculteurs de Madagascar ont bénéficié de la technologie du riz hybride. De nombreux techniciens du pays dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche ont étudié et se sont formés dans la province chinoise du Hunan. Le ministre de l'Agriculture a déclaré qu'il espérait que grâce au développement de la technologie du riz hybride, Madagascar parviendra à atteindre l'objectif d'éradiquer la faim.